Ça y est, on arrive. Il y a les ballons, les survêtes, les t-shirts, les casquettes. Moi, je me suis fait reconnaître par la dame. Là, on a une réunion avec justement l'entreprise. Bon, ils sont pas là parce que j'ai pas le temps de trop filmer les gens. Je prends le ballon. Et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, grosse surprise, donc restez connectés. Salut YouTube, c'est Coach, ça va ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de signer des autographes, c'est pour une raison, c'est pour vous. Donc restez connectés à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe quand on envoie des ballons Urban. Vous êtes nombreux à avoir commandé vos ballons durant ces dernières années. Je vous ai jamais montré comment ça se passait. Aujourd'hui, vous partez avec moi, je vous montre tout le background, tout ce qu'il y a derrière le site Urban. C'est parti. Bon là YouTubeur, j'espère que ça va. Voilà, on est en direction de l'entrepôt qui est là où il y a tous les ballons Urban Ball. Tous ces ballons sont stockés, les ballons, les survêtes, les gourdes, les casquettes, tout ce que vous avez pu avoir sur le site internet qui est là, juste là, urbanball.com, dans la direction. Donc c'est dans la région parisienne. Je vais vous montrer comment c'est entreposé, etc. Et je vais vous montrer aussi comment ça s'envoie. Voilà, moi je vais faire les préparations, je vais vous envoyer et tout. Il faut savoir que avant qu'on soit dans cet entrepôt, c'est moi-même qui envoyais les ballons avec Souila, ma femme pour ceux qui ne connaissent pas, elle est juste là. On a même une chaîne de famille, donc on envoyait les ballons avec Souila de notre appartement et donc on faisait les cartons, on répondait aux mails et tout, et franchement c'était sympa. Bon, Julien, une Skyfire, c'est bon. Aurélien, une Panaball, lui la gourde, c'est parfait. Tiens, lui il a gagné le ballon signé par Benzema, il manque juste les 5 Urban Ball. Souila, ils sont où les sacs s'il te plaît? Les sacs? Oui. Ils sont dans ta poche? Dans ma poche. C'est sympa, après ça s'est tellement développé qu'on pouvait plus suivre avec les démos et tout, c'était impossible. Bon, ça tremble un peu, désolé la voiture. Mais voilà, en tout cas, on est en direction et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, grosse surprise, donc restez connectés. Je suis en train de signer au ballon. Bon, celui-là, je le mettrai là parce qu'il est un peu dégueulasse. Mais je suis en train de signer les petites cartes que je vais vous envoyer, vous allez voir à la fin de la vidéo. Ça y est, on arrive. Cross log, voilà, c'est là que tout se passe. C'est regarder mon repos. Bon, on vient d'arriver, on a mis un petit gilet de protection au cas où, c'est jamais, zone dangereuse. Alors, regardez ça, parmi tous ces cartons, il y a les ballons Urban Ball. Je sais pas comment je vais les trouver. J'espère qu'on va me guider. Mais là, quelque part par là, il y a les ballons, les survêtes, les t-shirts, les casquettes. On va aller checker ça tout de suite. Bon, voilà. Je viens de trouver, je crois que c'est là. Attends. Voilà, là il y a les survêtes Urban Ball, les casquettes, les t-shirts. J'ai trouvé. En gros, là j'ai demandé, on m'a dit tout ça là. Tout ça. Jusque là-bas. Tu vois là-bas là au fond? Là, tout au fond, c'est à Urban Ball. Donc là, ah tiens, il y a les ballons. On a les Blue Fire, on a des noirs. Voilà, c'est rangé là-dedans. Et c'est ça qui vous est envoyé. T-shirt. Les Pyrofire, je sais que vous les kiffez celles-ci. Regardez, ils sont là ici. Et aussi, là je viens de voir, il y a les sacs Urban Ball. Voilà. Et regardez les gars, il y a les boîtes Urban Ball. Les boîtes Urban Ball, elles sont là. Alors petite précision les gars, dans les boîtes Urban Ball qui sont là, quand vous commandez, il faut les ajouter sur le site internet. C'est-à-dire c'est pas genre juste vous commandez le ballon, elle vient avec la boîte, c'est pas automatique. Il y en a, ils veulent pas la boîte, mais il y en a, ils veulent la boîte. Donc du coup, il faut l'ajouter dans les options. Et dans la boîte, je vous montre tout de suite dans la boîte ce qu'il y a. Donc là, la boîte, elle est stylée, je trouve, elle est archi stylée. On va l'ouvrir tout de suite. Dans la boîte, donc on met le ballon que vous voulez. Et on a une pompe qui va avec, ok? Donc ça, c'est dans la boîte, ok? Donc là, voilà, on a regardé un petit peu, il y a tous les produits qui sont là. Donc en gros, il y a une personne qui voit les commandes, elle va chercher le produit qui vous correspond, elle la met dans un carton. Et là, c'est moi qui vais faire vos envois aujourd'hui. Donc je vais vous envoyer un petit truc avec une petite surprise. J'ai récupéré une commande là qui a été faite et je vais l'envoyer directement, mais avec un truc spécial. En gros, à partir de maintenant, les 100 premières commandes, ils auront un autographe dédicacé par Tonton Céan. Voilà, tu as juste à faire ta commande, ça sera ajouté directement avec ton ballon Urban Ball ou ton survêt ou ta casquette. Et là, je vais les mettre un par un dans les colis. Moi, je me suis fait reconnaître par la dame. Ah bah. Je me suis fait, j'étais venu en cachet comme ça. Mais même la Gaia Family, on est connu ici. Regardez, là c'est un truc sérieux.
Je suis parti, je suis en mode commande, j'ai mis le logiciel Crosslog. Bon, Crossdex, excusez-moi, je vais me faire engueuler après. Donc hop, je prends le ballon, je scanne, boum, c'est scanné, je mets dans le carton. C'est archi facile, franchement. Je pense que je peux postuler pour s'il manque du monde. Hop, voilà, bon, celui-là, on verra. La boîte Urban Ball avec la Urban Ball de votre choix à l'intérieur. Voilà, c'est mis. Et bien sûr, je rajoute le petit flyer recto verso signé parce que vous êtes nombreux à me demander des dédicaces. Donc voilà, j'en ai fait 100. Les 100 premiers, vous l'avez, je le mets dans le carton. Il y a l'adresse qui est là. C'est embarqué. Et après, une personne va la récupérer pour l'envoyer directement dans le camion qui va aller jusqu'à chez vous. Bon, là, on a une réunion avec justement l'entreprise. Bon, ils sont pas là parce que j'ai pas le droit de trop filmer les gens. Mais on s'est fait reconnaître, comme je vous ai dit. Et donc, il y a l'oncle d'un des Urban Ballers, voilà. C'est ça? Exactement. Comment il s'appelle? Le petit Tual. Le petit Tual aujourd'hui. Voilà, on va lui offrir une Skyfire. Et merci, on va lui beaucoup. Faire un petit dédicace spécifique pour lui. Voilà. Comment il s'appelle? Tual, petit appel. Ok. Voilà, tu as signé, validé, c'est pour toi, avec ton nom. Merci à toi et entraîne-toi bien. J'espère que vous avez kiffé ce petit expédition avec moi dans l'entrepôt Urban Ball. Déjà, je voulais tous vous remercier pour ceux qui soutiennent depuis des années la marque Urban Ball, super cool. Voilà, donc il y en a beaucoup qui voulaient des dédicaces, donc je me suis dit que c'était une bonne façon de vous remercier. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et quand je vous ai aussi pas montré comment ça se passe sur Urban Ball, vous allez sur le site internet, de préférence sur ordinateur, c'est plus facile. Là, il y a par exemple, il y a les packs, on va sur les packs, là, vous cliquez sur les packs, ensuite. Directement, vous allez sur n'importe quel pack qui est là, par exemple un sweat et un ballon, vous cliquez dessus et directement vous avez les informations du produit plus le panier à faire, vous choisissez votre taille et vous arrivez directement au panier, vous rentrez vos informations, etc. etc. C'est vraiment vraiment facile à faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur Urban Ball, dites-le moi dans les commentaires, mettez un gros pouce bleu si vous avez kiffé un peu cette initiative et si vous voulez encore voir des vidéos un peu à propos d'Urban Ball. N'oubliez pas que la vidéo prochaine sera un battle de 1 contre 1 football entre deux mecs qui veulent aller dans un centre de formation professionnel, ou alors un 1 contre 1 freestyle entre deux freestylers qui veulent savoir qui sera le meilleur. Donc restez connectés sur la chaîne, c'est pour ça qu'il faut activer la cloche de notification et vous abonner à la chaîne pour être sûr de louper aucune des vidéos. Je voulais, avant de vous quitter, vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour ma blessure. Je vais bien, ça va, ça sera une longue blessure, mais je vous en parlerai dans une vidéo spéciale dédicacée pour ça, un podcast. Donc posez-moi aussi les questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Coach qui apparaît sur la Urban Ball de Benzema par Benzema qui est juste là. C'est bon, t'as cliqué. Bien sûr, à la prochaine séance. Bye.